Je vais vous présenter Aéromat, l'agriculture du futur. Nous, chez Aéromat, on aime manger et on aime manger des bons produits et on a beaucoup de mal à les trouver à Paris. Pour quelles raisons? Parce qu'en général, ils sont cueillis avant maturité. Du coup, pour le transport, ils vont faire en moyenne 2 500 km de transport avant d'arriver sur les étals. Dessus, on rajoute de l'éther pour les faire mûrir pour qu'ils soient bien rouges, mais ils restent sans saveur, sans texture et donc pas très bons. Donc, notre solution, c'est de produire sur les toits parisiens des fruits et légumes frais, sains, de saison qui seront vendus localement. Comment est-ce qu'on veut produire? Nous, on produit en hydroponie. L'hydroponie, c'est quoi? C'est faire pousser les plantes dans de l'eau qui contient des nutriments. Et en fait, cette eau va nourrir directement les plantes à la racine. Le gros problème de cette technique, c'est qu'on utilise des nutriments chimiques issus de la pétrochimie et qu'on souhaite vraiment développer des nutriments qui sont écologiques et durables. Concrètement, comment ça fonctionne? Nous, on veut récupérer les déchets organiques des restaurateurs, les revaloriser en compost pour en faire une solution nutritive qu'on pourra donner aux plantes. Les plantes vont pouvoir pousser en hydroponie et tout ce qu'on produira, on pourra les revendre en local aux restaurateurs et à terme à tous les citoyens parisiens qui sont intéressés, évidemment. Être lauréat du concours Généropole nous permettrait d'obtenir des locaux, du matériel et tout un réseau qui nous permettrait de vraiment travailler sur notre recherche et développement pour passer des déchets organiques aux nutriments pour les plantes.